Garde à vous. Observez une minute de silence. Hymne européen. Les cérémonies du 11 novembre revêtent cette année une importance particulière. Il s'agit en effet du centenaire du choix du soldat inconnu du 11 novembre 1920. Comme l'a exprimé la ministre Darrieussecq, déléguée aux devoirs de mémoire et aux anciens combattants, dans son courrier adressé au président des associations d'anciens combattants, le soldat inconnu symbolise le sacrifice de femmes et d'hommes, combattants de tous les conflits, dont le souvenir fait partie intégrante de nos mémoires nationales, locales, mais aussi familiales et individuelles. Cette année, cette cérémonie se fait sans public, dans des conditions sanitaires très strictes. J'ai bien évidemment une pensée pour les porte-drapeaux et associations d'anciens combattants qui ont à cœur habituellement d'être présents. C'est aussi, bien évidemment, en leur nom que je prends la parole aujourd'hui.
Et avant de procéder à la lecture de la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, je tiens à remercier tout particulièrement les élèves de CM1 et de CM2 de l'école Gabriel Lebras, ainsi que de leur enseignante Cécile Noble. Ils ont en effet effectué un très beau montage vidéo sur l'armistice du 11 novembre avec un focus particulièrement porté sur Paimpol. Je vous invite, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore pu découvrir leur travail, à aller le regarder sur les réseaux et sur le site de la ville. Donc encore une fois, merci pour votre participation. Il est extrêmement important que ces cérémonies commémoratives se fassent sur plusieurs générations. Discours de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants de Flandre, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Et depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts, et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de la France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Garde à vous! Salut au drapeau! Marseillaise.
Repos.